Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et aujourd'hui on va à nouveau reparler du DCU et donc pas de son actualité qui est borderline instable, fragile, voilà, entre l'annulation du film Bad Girl, Ben Affleck qui va remplacer au pied levé Michael Keaton parce qu'il a pas parce que celui-ci devait apparemment faire une apparition dans Aquaman 2, mais vu qu'il a pas connu lors des projections test, c'est Ben Affleck qui va le remplacer pour une seule scène. Ensuite on a le patron de la Warner Bros Discovery qui a annoncé qu'ils allaient bientôt mettre un plan en œuvre donc pour les 10 prochaines années du DCU pour que les films créent l'événement, parce que du coup c'est pour ça qu'ils ont annulé Bad Girl, parce qu'ils veulent des films qui créent l'événement, l'euphorie, un peu comme chez Marvel, hein, vous voyez, comme des films avec Spider-Man No Way Home qui créent l'effervescence, qui créent l'euphorie, qui créent des attentes. En fait ils veulent vraiment des films que tout le monde attend, comme à l'époque de BVS ou de Man of Steel, même de Suicide Squad, qui étaient des films DC quand même assez attendus, mais bon, ça c'était à l'époque où Zack Snyder était encore maître de son univers, où il allait mener la franchise droit devant elle. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, Zack Snyder est parti. Il est très improbable qu'il revienne pour mettre en scène donc les suites de sa Justice League. Et c'est justement de ça qu'on va parler, voilà, donc de ces films du DCU qu'on n'aura probablement jamais. Et que si on les avait eus, et bah aujourd'hui, le DCU serait peut-être une des franchises super-héroïques les plus appréciées de tous les temps. Peut-être, voilà, en tout cas, on aurait eu un univers monstrueux, incroyable, intéressant surtout, très dark, très profond avec des films adultes et pas forcément avec des films comme le Suicide Squad de James Gunn. Voilà, parce que j'ai vu ça sur la société, ils m'ont dit, oui, alors le Suicide Squad de James Gunn est l'un des meilleurs films de super-héros qu'on ait vu de tous les temps, même de ces dernières années. Alors, je sais pas pour vous, enfin là je parle en général, hein, juste personne évidemment, mais je sais pas pour vous est-ce qu'il y a un bon film de super-héros, mais moi personnellement, le Suicide Squad de James Gunn, j'en garde absolument pas de bons souvenirs. Voilà, il était dans mon flop de l'année dernière et j'ai absolument pas changé d'avis. Donc il y en a qui comptent vraiment sur James Gunn pour redresser la barre du DCU. C'est même James Gunn, pour moi c'est même un de ceux qui fait partie de ceux qui enfoncent le DCU, voilà. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier. Et en premier lieu, bah je voulais revenir sur un film que j'ai beaucoup attendu, beaucoup espéré, voilà, au même titre que la Snyder Cut quand elle n'avait pas encore été annoncée, au même titre que la Snyder Cut 2 de nos jours, voilà, qu'on est encore tous en train d'espérer, même si au fond de nous, on sait qu'on ne l'aura jamais, parce que les patrons de la Warner Bros ont été très clairs, ils n'ont qu'à pleurer dessus. Bref, je vous laisse, je vous renvoie à mes précédentes vidéos et même à l'actualité en général pour vous faire une idée sur le sujet. Man of Steel 2. Donc évidemment la suite au Man of Steel de Snyder, voilà, celui qui a tout initié, aussi bien en tant que réalisateur qu'en film, qu'avec l'acteur Henry Cavill, qui pour moi c'est le Superman parfait. Alors j'ai beaucoup de respect pour Christopher Reeves dans les premiers Superman de Richard Donner, mais pour moi avec Man of Steel on atteint une certaine maestrie en termes de mise en scène, la musique d'Hans Zimmer qui juste me met les tympans en ébullition. Moi à chaque fois que je vois Man of Steel je me dis, voilà, là je regarde un film de super-héros vraiment digne de son nom. Voilà, il y a cette scène d'envol de Superman, voilà, avec Henry Cavill, voilà, qui pose ses mains par terre, il se met en position et après il prend son envol, mais la musique, la mise en scène, de toute façon Zack Snyder il a toujours eu ce don pour immortaliser les plus gros moments de super-héros de tous les temps. Vous voyez comment il filme Batman dans BVS, comment il les filme dans la Justice League, enfin juste la mise en scène de Snyder, voilà, elle fait tout. Et Henry Cavill, il ne fait que compléter tout ça, il ne fait que accompagner Snyder l'immortalise. Hans Zimmer, sa musique, elle est juste, c'est de l'orfèvrerie musicale tout simplement. Et Man of Steel 2, bah je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin, voilà. Et il a entendu qu'il a failli être réalisé par Matthew Vaughn, que je respecte beaucoup, voilà, j'aime beaucoup Kick-Ass 1 et 2 notamment. Kingsman, j'ai un peu plus de mal, voilà, le 2 en Kingsman, c'est plus au niveau de l'écriture que j'ai du mal, pas au niveau de la mise en scène, parce que la mise en scène, je trouve vraiment excellente, les ralentis, c'est dynamique, les scènes d'action sont vraiment incroyables, donc je pense que Matthew Vaughn aura fait quelque chose d'aussi qualitatif que très différent. Bon, après, on va pas comparer Snyder et Matthew Vaughn, mais les deux sont très bons dans tous les cas, même si je préfère Zack Snyder quand même, mais Matthew Vaughn a quand même un style, voilà, il a du dynamique, il a du peps, il sait filmer une scène d'action
action, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, Man of Steel 2 serait dû se situer sur Krypton avant la destruction de cette dernière, dans la scène d'introduction de Man of Steel, en fait, avant que Clark Kent ne soit envoyé sur Terre, avant qu'il ne soit recueilli par Sparrow Optique, voilà, ça aurait dû se situer sur Krypton. Et je me demande, et j'aurais été vraiment très curieux donc de voir Man of Steel 2, voilà. Il y a eu tellement de théories, de rumeurs sur l'intrigue, sur sa date de sortie, voilà. Henry Cavill nous a longtemps fait espérer, Zack Snyder pareil. Antoine, il a été dit, oui, il y a encore des plans pour Man of Steel 2, non, il n'y a plus d'espoir, oui, il y en a encore, non, il n'y en a plus. Puis finalement, Zack Snyder est parti, Henry Cavill est parti, donc je vois très mal comment cette suite pourrait un jour aboutir sur grand écran ou même sur une plateforme de streaming. Et quand bien même si elle aboutissait à quelque chose, est-ce qu'elle aurait la même vision, est-ce qu'elle aurait la vision qu'on aurait été en droit d'avoir? Parce qu'avoir un film, c'est bien beau, mais si on n'a pas la vision d'origine de ce à quoi on aurait dû avoir, voilà, c'est comme si on était par exemple pressé sur le Justice League de Joss Whedon. Voilà, je vais pas revenir sur l'histoire de Justice League, avorté machin bidule, mais voyez, si on était resté sur cette version et qu'on n'avait pas eu la Snyder Cut de Snyder, bon bah voilà. Donc Man of Steel 2, bon, on l'aura probablement jamais, c'est extrêmement dommage, mais je pense en tout cas qu'il y aurait vraiment eu plus à raconter sur Krypton, sur Clark Kent, sur ses origines, même avec Lois Lane, même avec le personnage de Russell Crowe, donc son père, même avec Zod, Michael Shannon qui fait un excellent antagoniste dans l'histoire du DCU. Enfin bref, je pense qu'il y avait un tas de choses à raconter avec ce Man of Steel. Malheureusement, c'est un film qui ne verra jamais le jour, ou enfin, sauf si un miracle dans le DCU se produit et que les Warner Bros se réveillent et nous produit enfin cette suite, que Snyder revient, enfin bref, que un miracle opère sur cette franchise et qu'elle renaît de mille cendres et que tous les projets voient le jour. Mais c'est très peu probable. Donc Man of Steel 2, un des projets que j'attendais et qui ne verra jamais le jour. En second lieu, je voulais revenir donc sur le projet Batman avorté qui aurait dû être réalisé et joué par Ben Affleck. Alors, vous le savez, le Batman de Ben Affleck, je l'apprécie, j'adore comment Snyder, comment Ben Affleck le joue dans BVS et dans Justice League, et je trouve ça extrêmement dommage que on ne pourra jamais voir ce que aurait pu donner un Batman réalisé par Affleck, ce qu'il aurait pu ajouter à la dimension dramatique et profonde de son personnage, voilà. Après, je ne sais pas s'il souhaitait raconter une origin story de Bruce Wayne, donc est-ce qu'on aurait dû se taper l'introduction habituelle, donc du meurtre des parents de Bruce, ou est-ce qu'il serait allé davantage dans le du sujet, dans le Batman pur, sombre et dark et violent qu'on le connaissait dans BVS et dans Justice League notamment. Moi, en tout cas, c'est ce que je rencontrerais, parce que bon, je pense que l'introduction, l'origin story de Bruce Wayne de Batman, on la connaît tous déjà par cœur. Voilà, même Snyder nous avait fait un petit récapitulatif introductif au début de BVS, dans le générique d'ailleurs. J'ai trouvé assez intelligent qu'il nous ait mis ce meurtre-là dans l'introduction de BVS. Mais en tout cas, voilà, le Batman de Ben Affleck, normalement, il aurait dû nous plonger dans l'asile d'Arkham, et vous savez combien ce contexte-là, combien ce lieu est intéressant dans l'histoire du DCU. Alors, ça aurait dû être un film canon avec le DCU en plus, hein. Ça aurait dû être la suite de Justice, de BVS, de Justice League, etc. Et vraiment, je suis extrêmement déçu, parce que du coup, ce projet a atterri entre les mains de Batwave, qui en a fait un projet The Batman. Enfin, j'aime beaucoup le The Batman, bien sûr, mais du coup, c'est un projet indépendant. Voilà. Bon, j'aime beaucoup le côté enquête très très sombre, le côté vraiment policier de The Batman, j'aime beaucoup ce qu'il en a fait. Bon, on verra ce que donne la suite, mais j'aurais quand même préféré voir le Batman de Ben Affleck avant, voilà, comment, ce qu'il aurait ajouté à son personnage, ce qu'il aurait apporté, comment il aurait apporté. Et en plus, j'ai cru comprendre qu'il allait mettre en scène un combat, enfin, qu'il aurait pu mettre en scène un combat entre Batman et Deathstroke. Et quand tu sais ça, tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'on a raté là? Qu'est-ce qu'on a raté vraiment entre l'asile d'Arkham, le duel avec Deathstroke et possiblement d'autres intrigues qui nous avaient été teasées ou plus ou moins amorcées dans BVS, notamment la relation entre Robin et Batman qui nous avait été suggérée. Vous savez, quand on voyait Bruce Wayne regarder le costume tout graffité de Robin dans BVS, ce qui nous suggérait que le Joker avait possiblement tué Robin et brûlé le manoir de Wayne. Enfin, ça, c'est des choses que
Snyder nous a dit il y a quand même quelques mois auparavant, avant même la sortie de la Snyder Cut, des intrigues qui ne verront jamais le jour, ce qui est vraiment dommage puisque ces intrigues-là auraient vraiment eu un potentiel extrêmement sombre, super intéressant. Enfin, même je pense que Ben Affleck aurait mis ça sous forme de flashback, de retour dans le temps. Enfin, ça aurait peut-être été une histoire de vengeance. Peut-être même qu'on aurait eu le Joker de Leto introduit dans ce The Batman-là. Enfin, là, c'est moi qui ai théorie, hein. C'est pas des choses qui ont été dites, sauf en ce qui est de l'histoire entre Batman et Robin, et de la quête et de l'histoire du passé entre le Batman d'Affleck et le Joker de Leto. Enfin voilà, je pense que c'est des trucs que Ben Affleck aura superbement bien mis en scène, ou alors c'est des trucs sur lesquels moi j'aurais vraiment bien aimé voir aussi. Voilà, il y a une part de vrai dans ce que je dis, il y a une part de théorie de ma part, mais voilà, en tout cas je trouve ça vraiment dommage qu'on ne verra jamais ce Batman, parce que Ben Affleck c'est un excellent Batman et c'est aussi un excellent réalisateur. Donc dans tous les cas, je pense qu'on rate quand même un film superbe et une interprétation superbe et une intrigue profonde, violente. Enfin, je pense qu'on aurait vraiment eu quelque chose d'assez incroyable. Voilà, on aurait plein de retours en arrière, on aurait eu des choses introduites, on aurait eu un prolongement par rapport à Batman et Superman, parce que finalement, le Batman de Ben Affleck, on nous l'a jamais vraiment introduit. Enfin, on nous l'a balancé du coup dans Bévez, dans un contexte un peu apocalyptique avec l'arrivée du coup de Superman, cet affrontement, Lex Luthor entre les deux. Enfin, je pense qu'on aurait vraiment pu avoir un truc génialissime, grandiose, parce que comment ça fait dans le film, j'aime bien, mais j'aurais aussi aimé avoir Ben Affleck en tant que réalisateur, une symbiose de l'interprète et du réalisateur, et malheureusement ça ne l'aura jamais et c'est extrêmement dommage. Alors évidemment, ce projet là il est encore très à l'actualité. Voilà, tout le monde milite activement sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, avec des hashtags pour un jour faire renaître ce projet enfoui dans les décombres du DCU. Voilà, Snyder est parti, la Warner a mis définitivement une croix dessus. Justice League chapitre 2, voilà, on en parle, il n'y a pas longtemps sur la chaîne, mais évidemment, un projet qu'on ne verra sans doute jamais, sauf si un miracle s'abat sur le monde et sur le DCU, et que finalement ils se disent, tiens, et si on rappelle Snyder, si on lui faisait un gros chèque pour qu'il fasse enfin le chapitre 2 de Justice League. Quand je vois tout ce qu'on a perdu avec cette histoire, je vous jure, ça me frustre et c'est une immense déception. La nightmare vision, évidemment, amorcée dans BVS et à la fin de Justice League, voilà, Snyder Cut plus précisément, moi, ça me tue, voilà. On aurait pu avoir un film apocalyptique profond avec un Joker maître d'un Gotham détruit par un Darkseid dont l'arrivée était amorcée, enfin était teasée par Mindhunter à la fin de la Snyder Cut, vous voyez, juste après que Bruce Wayne ait eu cette vision de la Nightmare avec une Justice League dissoute, détruite, avec la moitié des membres morts, Superman est mort, du coup il y aurait eu une romance entre Lois Lane et Bruce qui aurait abouti à ce que celle-ci soit enceinte d'un petit garçon qui aurait été le fils de Batman. Enfin bref, on aurait pu avoir une intrigue apocalyptique, désespérée, vulnérable pour les personnages, avec des antagonistes au top de leur forme, un Jared Leto qui aurait pu tout donner, un Joker qui aurait enfin eu son film où il exploserait tout, quoi. Parce que je suis désolé, la scène du Joker à la fin de la Snyder Cut, c'était du foutage de gueule pour moi. Voilà, c'était le seul truc où j'avais vraiment été détruit, quoi. J'avais vraiment l'espoir que Zack Snyder en fasse quelque chose de ce Joker-là. Voilà. J'avais vraiment espoir qu'enfin on ait un Joker du DCU incroyable, terrifiant, et on le sait que Jared Leto aurait pu vraiment donner quelque chose, on le sait, on en avait conscience. Et quand je pense qu'on a eu juste le droit à cette petite scène, voilà, de dialogue caméra champ contre champ sur Batman et sur le Joker, quand je pense qu'on a juste le droit à 2-3 malheureuses minutes sur 3h30, 4h l'an dernier, moi je me dis mais non Zach, mais non, c'est pas ça qu'on te demande. Nous, ce qu'on te demande, c'est de revenir chez Warner et de faire ton Justice League chapitre 2 pour qu'on ait toutes les sous-intrigues qu'on mérite, quoi. Enfin voilà, l'histoire entre Robin et le Joker, ce triangle Batman, Robin, Joker, Joker qui tue Robin, qui met le feu au manoir Wayne, enfin voilà, j'en ai parlé précédemment avec le projet Batman de Ben Affleck. Mais on aurait pu avoir des intrigues aux dimensions sombres, dramatiques. Ça aurait pu être un film plein de désolation, fragile, mais
Voilà, quoi, on connaît Snyder, on sait ce qu'il aurait été capable de faire, on connaît les acteurs, et ça aurait pu être absolument génial, aussi bien visuellement que scénaristiquement parlant. Voilà, on aurait pu avoir un prolongement, sans parler de Lex Luthor dans la scène post-crédit de la Snyder Cut, donc qui révélait à Deathstroke l'identité de Bruce Wayne, hein. Voilà, je vous parlais du duel Deathstroke-Batman dans le projet avorté Batman de Affleck, on en revient encore dessus, on a raté ça quand même, on a raté un duel, un combat violent, très certainement, on a raté l'Injustice League, voilà, je pense que c'était là où voulait venir Snyder avec cette scène-là, mais ça, pareil, on ne l'aura jamais, et c'est très, très décevant. Très très frustrant et vraiment dommage. Donc Justice League chapitre 2 et puis je pense et puis il me semble avoir compris qu'on aurait également dû avoir un chapitre 3 mais ça je sais pas ce que ça aurait donné mais en tout cas si ça avait été confirmé ou envisagé je l'aurais attendu mais pour le moment on n'en était que sur le Justice League chapitre 2 et déjà en sachant qu'on n'aura jamais cette histoire je pense qu'on peut déjà réduire notre consolation à ce film-là, au lieu déjà aussi d'envisager un troisième et un quatrième chapitre, même si ça aurait été aussi génial. Et enfin, pour conclure, je terminerai sur la Director's Cut, donc de David Ayer et de sa Suicide Squad, un film qui aurait dû être bien plus violent, bien plus erratique, bien plus sauvage, avec un Joker bien plus présent, bien plus démoniaque, en sachant que Jared Leto s'était investi à fond les ballons sur le tournage, voilà, qui faisait peur à toute l'équipe du film, voilà, donc on aurait vraiment eu un très très bon Joker, un duo avec Harley Quinn du tonnerre, enfin ça aurait dû être Joker et Harley Quinn version fou, version démoniaque, version dangereux, enfin Suicide Squad aurait dû être un film dangereux, un film vraiment violent, un film assez vulgaire, un peu comme ce qu'avait fait James Gunn, mais en beaucoup plus dark, en beaucoup plus profond, parce que le Suicide Squad de James Gunn, en fait, il est violent, il est trash, mais en fait c'est pour faire plaisir aux fans. Sauf qu'en fait derrière il n'y a pas le côté, il n'y a pas le côté dark, il n'y a pas le côté film pour adultes. Voilà, Suicide Squad, le Suicide Squad de d'ailleurs a vraiment dû être un film pour adultes et non pas un film pour ados attardés, par exemple. Parce que oui, je considère que le Suicide Squad de James Gunn c'est un film débile, mal fichu. Enfin ouais, c'est vulgaire, ouais, c'est violent, mais ça, il n'y a pas d'enjeu solide, les blagues en dessous de la ceinture, les scènes qui ralentissent le film, enfin voilà, il n'y a que Harley Quinn que j'aime bien en fait dans ce film-là, il n'y a que Harley Quinn qui pour moi a une réhabilitation de personnage après Birds of Prey, donc depuis ce qu'elle avait fait dans Suicide Squad, voilà, moi je trouve qu'il n'y a que ça qui a amélioré dans The Suicide Squad, sinon le reste poubelle. Non, en fait, la Suicide Squad 2 d'ailleurs, en fait, aurait dû être plus tout et aller moins tout parce que Warner du coup a tout bousillé, le montage a été flingué, ce qui fait que les personnages sont représentés 10 000 fois, ce qui fait que 40 minutes du qui me sont gâchés. Harley Quinn est une porn star. Jared Leto, lui, il a été coupé. Il a été réparti sur 10-15 minutes de film. Mais du coup, sa prestation, elle est complètement ignorée. Alors que vraiment, il s'était vraiment très investi. Enfin bref. On ne verra jamais cette version. Parce que du coup, elle est même pas à l'actualité. Voilà, c'est absolument pas prévu. C'est enterré sous les décombres de la Warner Bros. Du DC Extended Universe. Et c'est vraiment dommage. Et très rapidement, donc, je voulais revenir donc, sur les plans initiaux qu'avait Zack Snyder et son scénariste Chris Terrio donc pour l'univers de la Justice League Snyderverse puisque normalement on aurait dû avoir donc trois films Justice League et deux films solo connectés à ces films-là, à savoir The Flash et The Batman, et je suppose que le film The Batman est également le projet avorté Ben Affleck, mais de toute façon on n'aura jamais la réponse puisque de toute façon on n'aura jamais ces films-là. Donc normalement dans la Justice League chapitre 2 on aurait dû avoir ça aurait dû centrer sur Lex Luthor donc qui recrute des membres pour son Injustice League comme Docteur Poisson, Ocean Master, Black Manta et Captain Gold. On aurait dû avoir un Superman donc possédé par les boîtes mères, tandis que Lex Luthor il orchestre un plan pour s'emparer de l'équation anti-vie, enfin voilà, jusqu'à l'arrêt de Darkseid qui du coup après activa l'Injustice et du coup il y a Wonder Woman, Aquaman qui furent éliminés et il y a Flash et Cyborg qui auraient survécu, voilà. Et ensuite dans le troisième film on aurait eu Flash qui aurait été envoyé dans le passé avec grâce à Cyborg et Mera donc pour faire passer un message à Bruce Wayne donc dans le passé afin d'éviter donc toute la situation actuelle et donc du coup on aura eu la Nightmare Vision
donc dans celui-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, voilà, sur des projets avortés ou qu'on n'aura jamais. Alors, ce que je vous ai dit par rapport à la Nightmare Vision et toutes les sous-intrigues, il y a un peu, il y a du vrai, puis il y a de la théorie de ma part, évidemment, hein. Ça, c'était vraiment des sous-intrigues que, personnellement, j'aurais adoré voir, là, tout ce qui concerne Robin, le Joker, la Nightmare Vision, etc. Ou même la relation entre Lois Lane et Bruce Wayne. J'aurais bien aimé voir ce que Snyder en aurait fait, comment il aurait exploité ça. On aurait aussi parlé d'une Catwoman incarnée par Gina Carano. Non, mais bon, ça n'a fait surface qu'une seule fois. Mais après, c'est Snyder qui avait lui-même fait des déclarations sur ce qui s'était passé 5 ans auparavant, avant BVS. Donc voilà, il a donné des informations vraiment sur tout ce qui s'est passé dans son univers et toutes ses idées avortées. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.